Salut tout le monde, c'est DiabloX9, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. Alors avant tout, je vais baisser le volume, attendez deux secondes. Voilà, parce que sinon je ne m'entends pas parler, voilà. On se retrouve pour la vidéo découverte, et je le précise bien, ce n'est pas la vidéo test, car beaucoup de gens viennent râler en disant « Oh, mais tu fais une vidéo, t'as pas testé le jeu, etc. » C'est une vidéo découverte, c'est la première fois que je lance Portal 2. Tout le monde quasiment connaît Portal premier du nom. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ça tout de suite, c'est sur PC. Et Portal 2, quant à lui, est sorti sur PC, sur Xbox 360 et sur PlayStation 3, et propose entre autres un jeu coopératif en online, ainsi qu'un mode. Donc il y a un mode multijoueur qui a été ajouté, mais le gros du jeu reste le solo. Et nous allons, et eh bien mes amis, j'ai fait un truc fou là, je sens, non, non, solo. Nouvelle partie. Ok, chapitre 1, alors ça doit être ça. Voilà, donc vraiment, quand je vous dis que c'est la première fois que j'y joue, c'est la première fois que j'y joue. J'ai pas une grande culture dans le monde des jeux vidéo PC, étant donné que je suis un joueur de console avant tout. Cependant, je tenais vraiment à faire une vidéo, quoi. Alors, je vous laisse un peu lire ce qui se passe. Limite, je pourrais vous lire, je crois que je vais faire ça, oui. Mais encore une fois, c'est un petit peu trop fort, veuillez m'excuser, mes amis. Voilà. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Voilà. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le sol. C'est une sorte de tutoriel, vous l'aurez bien compris, pour se familiariser avec les touches, les commandes. Alors, un tableau encadré est accroché au mur, veuillez vous placer devant. Les graphismes ont vraiment été incroyablement améliorés, et il faut déjà dire que Portal 1 était loin d'être moche. Voilà. Je contemple l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Dormir. Inutile de dire, mais je lui dis quand même, que c'est développé par les studios de Valve. Bonjour, votre cryostase a duré 9999999. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai. Ouh là là là. Ouh là. D'accord, donc je dois apparemment ouvrir la porte. Oh putain. Il essaie de nous rassurer, l'autre. Démarrage du moteur de quoi? Oula. Oh, mais t'es sérieux que ma chambre elle est en train de s'envoler? Oui, on t'entend. Arrêt du moteur, démarrage du moteur. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. You might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté. C'est cela. Mais peu importe, dites pomme. Dire pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. D'accord, donc ils ont vraiment basé... Ils ont rajouté beaucoup d'humour. Déjà qu'il y en avait pas mal dans le premier. Là, ils ont... Je sais qu'ils se sont pas mal basés sur le solo, sur l'histoire, etc. Au nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Où est-ce qu'il m'emmène, cet abruti? Why?
Ouh, c'est étroit, vous me voyez? Je vais pouvoir passer. Il y a de la place? Bon, il faut juste que je passe ça là. Voilà. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qu'est-ce qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Hé, il vient de me traiter de légumes! Ah zut, je suis rentré dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il s'est un peu planté. Bonne nouvelle, ce n'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. Nom de Dieu, nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous, d'accord? Oh là 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 là. Mes amis, ce jeu a l'air énormissime de chez énorme. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins vous savez sauter, c'est déjà ça. Et hey, vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. Waouh. Vraiment, Portal 1, si vous voulez, se démarquait par l'originalité du fait qu'on jouait avec une arme qui nous permettait de passer d'un endroit à l'autre avec un système de miroir. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite encore une fois à aller voir. Oh non. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages pré-enregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Et voilà, on se retrouve exactement comme au début de Portal premier du nom. Et ouais, c'est... Oh là là, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous voyez, le système, en fait, voilà, regardez. Le trou est là, l'autre est là, et je me vois à travers ce trou. C'est assez compliqué à assimiler, mais après, à force, on comprend. Bon. Avançons gentiment. Alors... Oh oui, les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que qu'en cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Que ce cas de figure a peu de chances de... C'est très dur de parler, de lire et d'en même temps entendre la voix du mec en anglais, je vous avoue. Donc vraiment là c'est les bases, hein. Je vous dis ça se complique largement plus tard, croyez-moi. Vous remarquerez le champ de particules incandescent situé devant la sortie, la grille d'émancipation de l'homme. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ascenseur, j'imagine, voilà. Aperture Science, c'est en fait, bah voilà, des laboratoires qui testent des gens. Et dans Portal 1, on avait dû s'échapper de cette firme, de ce laboratoire très particulier. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Normal. Bon, on va y aller. Porte ouverte. C'est dans un sale état, hein, parce que dans le premier portal, c'était, il n'y avait pas de jungle ou quoi que ce soit. Hein, c'était vraiment tout bien fermé, des locaux tout propres. Je peux pas casser ça, non. Activer quoi? Ah. Ah. Alors, là, oh. Hop là. Porte ouverte. Ah ouais, non mais bon. Pas très utile. Il faut que d'abord que je le fasse arriver là, ce machin. Voilà.
Voyez, ça se complique déjà un petit peu. Bon, c'est rien encore, hein, mais... Hop. Et hop. Mais je suis vraiment étonné du côté des graphismes, vraiment. Mais c'est quoi ce bordel? Ah d'accord. Voilà, fallait comprendre. Hop là. Bien. En raison des difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Je suis content de l'apprendre. Apparemment, en fait, on se retrouve plusieurs dizaines, voire centaines d'années après Portal 1. Je me suis vraiment pas tenu au courant du jeu, hein. Je vous avoue, j'étais impatient qu'il sorte, mais je me suis pas amusé à aller sur les forums, regarder l'histoire, etc. Mais, enfin, logiquement, d'après moi, on est quelques années plus tard, quoi. Oula. D'accord, c'est quoi ça? Oh là 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 là. D'accord. Bon. Ta ta ta. Hé, vous avez réussi! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Oh oui, magnifique. Oh putain de merde. Pardon. Éclaboussure. Y'a quelqu'un? Vous voyez le générateur? Êtes-vous en vie? C'est important, j'aurais dû commencer par ça. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons 1 heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça? Allez, on y croit. Et dans 1 heure, enfin, peut-être. Voilà. Donc, on a l'arme de base de Portal en main, donc en clair, comme vous pouvez le voir. Ça permet de créer un portail bleu et plus tard, avec le clic droit, un portail orange aussi. Un portail, pardon. Et donc, regardez ça. Hop là. On va pouvoir continuer. Ah, d'accord. Ah, on peut zoomer. Petite nouveauté. Alors, ou peut-être qu'on pouvait déjà le faire, mais alors j'avais vraiment pas prêté attention. Ça, je ne m'en souviens pas. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Mais c'est génial. Mais c'est génial alors. Oui, d'accord, mais maintenant, comment veux-tu que je fasse? Hein? Ah, je sais. Hop là. Tada! Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Wow. Je comprends pas un truc, c'est pourquoi est-ce qu'on tient à s'enfoncer encore plus profond, quoi. Limite, ça me rassure pas vraiment, je vous avoue. Oula, oulala. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Ah ok, la musique d'ascenseur. C'est énorme, sérieux. Oula. Oh, c'est déjà fini, sérieux. Alors. Je sais. Hop là. Ouais, on aura vu plus dangereux. Porte fermée. Portail ouvert. Alors maintenant, ça va se compliquer, j'ai l'impression. Là. Là. Hop. Toi, tu es à moi. Là, ça en fait un. Le deuxième doit être là en bas. C'est un peu facile à deviner. Oh, magnifique. Oups, là. Ah.
Ouf, j'ai eu peur. Nickel, nickel, ma belle, nickel. Où est-ce que je vais, moi? Ah, il y a des escaliers là-haut. Ça cache peut-être quelque chose. Unreason. Ok, il y a des trucs écrits. Rien à faire par ici. Waouh, non, mais c'est vraiment excellentissime, moi je vous dis. C'est vraiment un jeu, je vais le bouffer en 1 heure, quoi. Je sens que je vais le terminer hyper rapide, tellement il est bon. En tout cas, moi j'espère que ce premier aperçu vous aura donné envie de vous l'offrir. En plus, moi perso, je viens de tomber en vacances, donc je vais me faire vraiment plaisir à fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à aller voir sur ma chaîne et regarder mes autres vidéos. Et si ça vous plaît, vous abonnez, c'est gratuit et c'est rapide, vous pourrez me suivre plus facilement. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, on y retourne.